La seule qui est dans la salle, 14, 13, 12. Ah, salut Quenu! Finalement, vous serez deux pour cette surprise. Peut-être 6, 5, 4. J'ai envie que ça aille vite. 3, 2, parce que j'ai le bras tendu. 1. Go, go, go! Est-ce que vous nous entendez? Allez, attention, on a. Voilà, est-ce que vous nous entendez? J'espère. Salut Jebron, salut Quenu, salut Églantine. En fait, on fait vraiment un tout petit live impromptu. On n'est même pas sûr d'avoir le temps de finir la partie. Je voulais tester cette nouvelle caméra que j'ai achetée hier. Et normalement, vous voyez un plateau beaucoup plus beau. En tout cas, beaucoup plus net. J'aimerais que vous me le confirmiez, que je ne me dise pas que j'ai fait un achat à la con. C'est, Marjo, viens de voir ton com et parle à l'ordi en disant « on va tout expliquer ». Mais j'avais mis le micro. Non, c'était avant que tu mettes le micro. Ah, non, je crois que je l'avais mis. Non, je l'avais mis, elle m'a entendu. Ah bon? Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Églantine dit allez canon. Il y a une nouvelle caméra. Oui, Barik. Salut Barik. Encore félicitations pour ta performance de tout à l'heure, c'était très bien. L'image est propre, parfait. Ouais. Bah, l'idée c'était surtout plus net parce que. Est-ce que je suis blonde de 1m90 et 25 kg? Voilà. Si oui, c'est normal. Par exemple, là, normalement vous arrivez à lire Sparte. Et avec l'autre caméra, c'était pas très possible. Et c'est quoi cette caméra? Eh bien, c'est une caméra qui ne m'a pas coûté cher, Varik. C'est une caméra qui m'a coûté 150 euros, qui est normalement une webcam, mais c'est une webcam qui filme en 4K. Et du coup, elle fait une image assez nette. Et comme il n'y a pas besoin de, finalement, de profondeur de champ, et attention, il faut juste une très bonne lumière et c'est un peu. Et elle fait des mises au point bien meilleures que l'autre, normalement. Non, bah, rêve. T'as rêvé là. Attends, non, parce que j'arrive pas à me repérer dans l'espace, donc j'arrive pas à savoir où je dois me mettre pour que je sois dans le cadre. Ouais, donc tu vas rester. Ça marche pas ton truc. Merde. Attends, mais tout à l'heure ça marchait. Ouais. Ah voilà, faut que je sois dans l'autre sens, c'est ça que j'avais pas compris. Je sais pas. Non, ça marche pas, super. Mais si. Mais je l'ai enlevé la mise au point automatique. Ah bah voilà. Là. Mais parce qu'en fait, la mise au point automatique. Fera pas de gros plans. Fait pas une très bonne mise au point, donc tant pis pour les gros plans. On s'en fout. C'est dans le titre. Alors, c'est quoi cette caméra? Voilà, donc j'ai expliqué. Il y a un petit effet parallaxe sur les bords. Tout à fait. Parce que c'est. Il y a un petit souci de lumière, je crois. Non, mais j'ai été obligée de rapprocher beaucoup la caméra pour que ça soit plus net, en fait. Plus on est proche avec cette caméra, plus ça va être net. Et du coup, vous avez un petit effet de parallaxe. J'avoue que pour moi, c'est pas un souci. Quand il y aura un tapis de jeu noir, vous verrez pas qu'ici c'est un peu tordu. Là, il n'y a plus, quasiment plus de déformation sur. Voilà, donc ça ne me dérange pas. Je lis sans peine le nom de la ville et pourtant je suis bigleux et ça fait plaisir. Le plateau est net, ça fait plaisir. Moi, c'est surtout ça qui comptait parce que quand je faisais des parties et que je voyais que rien n'était net, ça me gonflait profondément. Et du coup, bah, en plus, on est en speed parce que. Parce que Kyo vient récupérer le jeu normalement dans 30 minutes. Kyo vient récupérer Cora dans 35 minutes. Voilà. Donc, on lui a demandé de décaler, d'arriver plus tard. Voilà, je lui ai envoyé un petit message en lui disant « Tu peux le récupérer à 19h ou pas ?» Et j'ai pas de réponse. Donc, si mais même 19h, c'est ambitieux. Si vous avez jamais vu Cora, nous, on en a fait une partie hier. Et Marjo... Je me suis fait défoncer. Ouais. Mais défoncer. Genre, elle m'a mis 45 points dans la vue, quoi. Ouais, c'était bien. Et alors qu'elle en a marqué genre 65 ou 80, donc 70, et c'était Marjo adore littéralement le jeu. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que j'ai une petite crainte sur la rejouabilité. Mais à part ça, il est quand même très très bien. Il y a petite crainte sur la rejouabilité. Et c'est un jeu qui reste assez accessible, finalement. Il y a écrit expert sur la boîte, mais on n'est pas non plus sur du jeu expert, on est plutôt sur du familial plus. Sauf que c'est le thème, c'est la gueule du jeu, c'est les mécaniques qui, évidemment, c'est pas expert. Enfin, c'est pas familial. Ça n'est pas accessible à tout le monde à ce niveau-là. Mais au niveau des mécaniques, on n'est pas du tout sur quelque chose de lourd. Au contraire, c'est plutôt vraiment accessible et ça s'apprend très très vite. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des règles de ce jeu qui sont en 6-10 minutes sur Internet. Donc, c'est assez impressionnant. Littéralement, là, il y a 6 étapes, 7 étapes. Voilà. Et c'est, le jeu se résume à ça. Voilà, c'est le résumé du tour de jeu donc, sur le côté ici. Et bah, pour vous le faire, on va commencer les premiers tours et on va vous expliquer la règle en même temps. Je joue Sparte, elle joue Athènes. Nous avons 3 pistes, économie, culture, militaire. Ce sont nos potentiels. Ici, nous avons les impôts, la gloire et les armées. Et les citoyens... Et nos petits tokens qui nous disent, ben là, on a tant de citoyens, là, on peut collecter tant d'impôts, etc. C'est assez difficile, d'ailleurs, d'expliquer la différence entre, la piste d'économie et la piste d'impôts. Thématiquement,
Ouais, alors moi je veux juste vous montrer, je suis désolée, mais je sais pas si vous voyez les icônes là. Bon, voilà, l'économie, moi j'ai tendance à l'appeler pancake, Ouais, ok? c'est cette chose-là, On la dirait préférée. vraiment des pancakes, donc Ouais. voilà, c'est pas, je me moque pas, c'est que Voilà. je trouve que ça ressemble à une pile de Coucou à pancakes. tous, hein, coucou, salut Flare et salut à tous. Et Cunu dit, il suffit de pas ouvrir la porte quand ça sonne, le Ouais, mais pauvre. vu qu'on est en live, il va savoir qu'on n'ouvre pas alors que ça sonne, tu Et vois. donc, ce qui est assez cool, c'est que en fait, tout le jeu repose sur une mécanique de La sélection. qualité est incroyable. Je vois les veines du bois. Ah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, Mélo. Tu sais, comme ça m'encourage, surtout que ça a été très dur pour moi de sortir ces sous. C'est pas C'est grâce à forcément. vous d'ailleurs, hein. Oui, c'est Merci les grâce à gars. vous. C'est un peu parce que vous me participez financièrement à cette chaîne que bah, ça m'a décidé à dépenser pour cette chaîne. Et donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup merci. Donc, nous avons 7 tuiles chacun qui représentent 7 actions en fait. Et au début du tour, on va en sélectionner 2 qui iront avec nos dés. Je vais expliquer quand on va le faire comment que ça fonctionne. Ça, c'est des petits tokens pour marquer les points, nos 3 pistes. On va montrer comment ça marche. Il y a d'abord une phase de draft, mais je propose qu'on la fasse pas parce que sinon on va encore perdre 1 heure et demie. Ouais, Pourquoi d'accord. j'ai tant de cartes? Et où est la pioche de cartes? Qu'est-ce que t'en as fait? Qu'est-ce que t'as J'ai fait? rien touché, oh. C'est moi, je l'ai rangé dans la boîte. Voilà. Est-ce que cette caméra va te faire gagner plus souvent? Je pense pas, mais en tout cas, elle mettra en valeur mes victoires. Bonjour. Oui, mais je parce que je participe au chat en même temps. Ben non. Mais laissez-la tranquille. Pas sûr que ça fasse disparaître l'obésité. C'est ça, c'est elles sont là. Pardon. On l'a bien, la pile bien en Voilà. dessous, quoi. Tout à fait. Donc voilà les cartes. Moi j'ai eu que des cartes violettes, alors je suis désolée, je vais remélanger. On va pas faire de draft, on va faire 5 cartes comme ça. Le draft est important, hein, Bah, normalement. j'allais dire, j'aurais bien fait le draft, mais d'accord. Bah c'est juste que Non, mais c'est on pas a grave. une demi-heure. C'est pas grave, c'est pas grave. Après. Est-ce que ça vous amuse au moins? Est-ce que c'était une idée rigolote? Donc, au début, normalement, il y a une phase de draft avec des cartes qui s'appellent les cartes politiques. Ah, il paraît que le double 1 est pénalisant. Eh ben, merci Cunu, c'est une règle qu'on n'a pas appliquée. Non, bah non, c'est pas ça. C'est pas une règle qu'on a. C'est-à-dire que quand tu fais des doubles 1, Ah oui, tu dois payer, oui. moi, j'ai pas trouvé du tout. Hein. Cette Franchement, ça ne critique, nous est jamais la arrivé. critique qui est relative au lancer de dés Alors, pour le et au coup, hasard, ouais. je suis pas d'accord parce qu'en fait, il suffit de faire monter ses citoyens de façon intelligente et ça passe très bien, il n'y a pas de Ouais. problème. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Donc, Donc, on va pas première. faire la phase de draft, on va vous faire un tour de jeu type. Alors attends, d'abord, moi je Ah. commence avec un pouvoir particulier. Je commence avec trois parchemins. Voilà. Donc les parchemins, c'est un genre de petit token bonus qui permet de faire des actions en plus. Quel est le Ouais. but du jeu quand même, on va vous le dire, c'est de faire un maximum de points. Pour faire des points, soit on multiplie le nombre de tokens qu'on va gagner ici par notre niveau de gloire, donc ça c'est très militaire, c'est axé militaire. Soit les cartes vont nous faire gagner des points, ça il y a plein de façons de gagner des points avec les cartes, et on va dire que c'est plus du côté des marchands. Ah bon, pardon. Et il y a aussi la possibilité de gagner des points à chaque fois qu'on remplit un objectif. Sur les pistes, quand on monte, des fois, il y a par exemple, en économie, si on arrive au niveau 7 d'économie, on gagne des points. Donc, en fait, il y a plein de façons de gagner des points. Il faut pas se focaliser sur une seule. C'est un peu ce que Marjo a fait hier. Et, Ben non, moi je me suis focalisée sur rien du tout. Et j'ai oublié le petit détail des parchemins. J'étais là, ouais, je veux pas prendre le temps d'en prendre parce que je me rappelle plus à quoi ça sert. C'est important. Stratégie prédéterminée qui était très compliquée de s'éloigner de cette tendance. Alors ça, j'y crois beaucoup plus j'ai Born. Alors si, Barrick, j'en avais, mais elle avait envie de jouer à celui-là parce qu'elle l'aime bien et du coup et qu'on va le prêter et du coup on s'est dit je l'ai installé. Elle m'a dit bah tu veux pas mettre la caméra, j'ai mis la caméra. Elle m'a dit bah tu veux pas lancer le live, bah, j'ai lancé le live. Je suis une fille assez facile finalement, je fais tout ce qu'elle me dit. Donc un tour de jeu, d'abord, on annonce un événement. Au début de chaque tour, on tire une carte ici. Le matériel est très très beau. Là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est vraiment très beau. On tire une carte. Et la première carte événement, c'est la densification des cités. Et ça dit que durant la phase de dé de ce tour, chaque joueur qui obtient un total de 4 ou moins sur la somme des 2 dés gagne un parchemin. Donc là, typiquement, par rapport à la critique qui a été faite tout à l'heure, c'est pour essayer de rééquilibrer le hasard qu'il pourrait y avoir avec les dés. Qu'est-ce qui se passe avec les dés? En fait, on va les tirer. On va avoir 2 chiffres. Et on va choisir nos actions.
Moi, par exemple, là, j'ai un 5 et un 1. Est-ce que vous voyez que j'ai un 5 et un 1? Est-ce que c'est assez net pour que vous voyez que j'ai un 5 et un 1? Ça, pour moi, vous voyez, ça pourrait me donner le smile jusqu'à demain matin. Excusez-moi, je vais l'arrêter parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phases. Et je crois qu'hier, il n'y a aucun tour où elle m'a fait les phases dans l'ordre. Ça fout. Oui, mais non. Pour faire là, les impôts. Ah oui, merde. D'abord, il y a une phase d'impôt avant de faire les dés et tout ça. Donc, les impôts, c'est on collecte, en fait, on va récupérer de l'argent en fonction de notre niveau d'imposition. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce qu'on a zéro. Voilà, on est à zéro pour le moment. Donc, rien. On ne gagne rien. C'est un peu triste. Tidi. Du coup, on ne gagne rien. On passe à la phase suivante qui est la phase des dés. Donc, dés, on lance les dés et quand on voit les chiffres qu'on a, on choisit les actions. Oh, putain. On ne peut pas être tranquille dans cette maison, dans cette vie, j'ai envie de dire. Les impôts, c'est traumatisant, donc elles passent. Alors pour moi, ils sont pas traumatisants parce que comme je gagne rien, on m'impose rien. C'est l'avantage de rien gagner, on perd pas beaucoup. Du coup, ensuite, on a des tuiles donc d'actions qui ont des chiffres qui vont de 0 à 6, si je ne me dis, je dis pas de conneries. Oui. Voilà, de 0 à 6. Et vous m'avez vu venir, il faut avoir en valeur de D plus ou équivalent que le chiffre qui est sur la carte. Par exemple, avec un D1, je peux jouer une action philosophie qui coûte 0 ou une action législation qui coûte 1. C'est là qu'on dit, ah ouais, mais du coup, les dés décident de tout. Oui, mais non. On commence à 3 d'ailleurs, non? Oui, d'ailleurs, on commence à 3 citoyens. Oui, mais non. Pourquoi? Parce que si je décide de jouer une action qui vaut 2 et que j'ai un dé qui vaut 1, je peux payer la différence en nombre de citoyens. Donc, je vais faire baisser mon niveau de citoyen de 1, ce qui me donne la possibilité de jouer cette action 2 avec mon D1. Parce que jusqu'ici, tout est clair. Les citoyens se gagnent. C'est pas... hier, j'avais un personnage qui me permettait d'en gagner beaucoup. J'ai fini à 15. Enfin, il n'y avait aucun problème au niveau des citoyens. Donc, c'est pour ça que je dis, les critiques faites sur le hasard du dé, c'est surtout une gestion... Il faut bien gérer ses citoyens. Si on gère bien ses citoyens, les dés, on le sent pas. Mais moi aussi, les citoyens, j'ai fini à 15. Il y a un moment, donc, je pouvais même pas en prendre parce que j'étais au max. Je vais choisir... je vais choisir ça. Pardon. Non, on est choisi face cachée. Tout est simultané dans ce jeu. Ça, c'est très, très cool. Et est-ce que j'ai une... Là, j'ai pas du tout fait de technique. Ben, ça, c'est bien. J'ai des trucs qui sont... J'ai des trucs qui sont gratos. Donc, les cartes. Les cartes politiques sont très importantes. Elles ont un coût ici. Donc là, par exemple, là, elles coûtent rien, mais ici, elles coûtent 2. Et elles ont des symboles de prérequis qu'on doit avoir pour pouvoir les jouer, parfois. Et ces prérequis, c'est ces jetons-là. On peut les avoir de deux façons, on peut les avoir en faisant la guerre ou en faisant du commerce. Donc on va essayer de récupérer des jetons de couleur comme ça, pour pouvoir avoir les prérequis qui permettent de poser ces cartes. Ça, c'est une action que je vais faire tout de suite pour vous montrer. Donc, hop, elle, du coup, elle sait l'action que je joue, mais c'est pas grave. Quand on a choisi nos deux actions avec nos deux dés, on retourne nos tuer. Et on va jouer toutes les actions qui sont sorties dans l'ordre des numéros. Donc pour l'instant, on a fait toutes les deux législations. C'est la première action qu'on a décidée. Donc je ne peux pas vous faire le zoom, mais je vous la montre un peu pour que vous la voyez d'un peu plus près. Je ne sais pas si c'est net pour vous, mais voilà. Donc là, nous gagnons 3 citoyens chacune. Puis nous piochons les deux premières cartes du paquet politique. On en garde une et on en met un sous le paquet. Ah, ça, je m'en fous. Ok. Sachez que Kiyoshiro ne répond pas à mon message. Okay, il peut vraiment arriver d'une minute à l'autre. Donc, il est peut-être déjà en route et peut-être déjà devant ma porte. Ok, moi ensuite, j'ai fait l'action commerce. Donc ça, c'est parce que c'est l'action 3, on fait l'action, elle va faire son action commerce. Donc, je vais gagner 1 d'argent, en fait, de plus que ce niveau, mon niveau d'économie, donc je gagne 2 pièces. Voilà, donc elle a un niveau d'économie, donc c'est la piste de gauche. Donc si, plus on fait monter l'économie, plus quand on fait cette action commerce, on gagne d'argent. Plus on a, plus on gagne. C'était ça. C'est un peu une belle morale, j'ai envie de dire. Je vais dépenser 5... 3, 4, 5, pour acheter un vert, s'il te plaît. Très bien. Et donc, elle prend un jeton vert. Que j'ai, du coup, qui correspond dans ma réserve. À rien. C'est une lyre. Y a pas de... On ne peut pas dire que les symboles, ils ont peut-être une signification, mais...
Excusez-moi. Je crois que je vais utiliser deux parchemins. Très bien. Donc ça, c'est des jetons philosophiques qui sont en bas. On a des actions gratuites avec ces jetons. Donc elle en utilise deux pour... Pour prendre une ressource. Je vais prendre... C'est gratuit, on est d'accord. Il me semble que tu dois quand même en... Non, c'est que ça remplace une ressource dans une action. Ah, ok, d'accord. Dans un prérequis. Alors, pour l'instant, je ne fais pas ça. Voilà. Pour l'instant, elle ne fait pas ça. Ensuite, on fait toutes les deux. Non, il n'y a que moi. Je fais l'action politique. Donc moi, c'était pour vous montrer. L'action politique, c'est de jouer une carte politique de sa main. Carte politique, c'est un gros truc du jeu. C'est assez chouette. Donc, en fait, c'est une petite partie, franchement, dungeon building. C'est-à-dire qu'on va améliorer notre camp, notre civilisation. Et on va lui faire... On va la pimper, quoi. Donc ça, c'est nul. J'aurais bien aimé en avoir une un peu sympa. Celle-là est pas mal. Donc celle-ci, c'est colonne ionique. Et ça dit, chaque fois que vous faites l'action commerce, le coût des symboles comme ça de couleurs est réduit à 3 drachmes au lieu de 5. Et ça, c'est vachement bien parce que vous verrez, mais quand on fait du commerce, on peut acheter, et elle vient de le faire, on peut acheter un jeton de couleur, mais ça nous coûte 5. Mm. Et là, moi, dès que je le ferai, elle ne me coûtera que 3. Ouais, je l'avais eu celle-là, c'était super. Le problème, c'est que je joue avec Sparte. Et Sparte, c'est la guerre, la guerre, la guerre et la guerre. Et donc le commerce, je m'en bats un peu les couilles. Mais c'était une carte qui était gratuite à poser, qui n'avait ni coût de mise en jeu, ni prérequis. Donc c'était un peu dommage de pas en profiter. Une fois qu'on a fait donc cette phase, donc je rappelle les phases, on a fait un événement, on a gagné les impôts, de l'argent. Ensuite, on lance les dés, on choisit deux tuiles actions. Donc vous voyez hein, les actions, je vous les refais toutes quand même vite fait. Philosophie, ça permet de gagner des jetons de parchemin qui donc servent à faire des actions un peu gratuites. La 2, c'est législation, c'est pour gagner des citoyens. Et piocher des cartes politiques. L'action culture qui permet de gagner autant de points de victoire que notre niveau de culture. Donc il faut déjà faire monter le niveau de culture. J'ai lu quelque part que ce jeu, c'était basiquement faire monter des pistes pour faire monter d'autres pistes, et c'est un peu ça. Ensuite, on a le niveau, la tuile de commerce qui permet de gagner, une pièce de plus que son niveau d'économie, et d'acheter des jetons de couleur pour 5, moi maintenant pour 3, puisque j'ai posé une carte. Nous avons l'action militaire, donc on gagne des... Ça, en gros, c'est des factions, c'est des armées. Donc ça, c'est nos armées. Et donc, notre niveau militaire nous donne notre niveau de recrutement. Donc, on recrute autant d'armées qu'on a de niveau militaire. Puis, on peut réaliser une colonisation. Les colonisations, c'est ça. C'est aller chercher des jetons ici. Pourquoi ? Parce que ici, non seulement on aura des jetons de couleur comme avec le commerce, sauf que ces jetons, en plus, quand on les récupère, peuvent nous rapporter de l'argent, des points, et éventuellement du score en fin de partie. Donc, c'est intéressant. Et enfin, on a politique, poser une carte, et développement, débloquer le développement suivant de votre tuile cité. Parce que notre tuile cité qui est ici a 4 niveaux de développement, donc avec des capacités. Au début, on commence au niveau 0, et c'est assez chouette. En fait, il faut collecter un maximum de jetons de couleur pour pouvoir débloquer les développements, ce qui fait qu'on devient plus puissante. Donc ça, c'était la phase action. Je parle très vite, hein, j'en ai conscience. Est-ce que vous avez conscience que dans 15 minutes, il faut qu'on ait fini This is madness, this is Sparta. Tout à fait. Maintenant, on fait la phase de progrès, toutes les deux ensemble. On choisit un niveau de nos pistes et on augmente le niveau en payant le coût. Le coût est marqué dans le trou. Je vous montre. Les plateaux joueurs, ils sont magnifiques. Hein. Ils sont double layered. Je ne sais pas comment on dit, double couche. Et ici, en fait, la tuile de la faction s'introduit dans le plateau joueur qui est chouette. Et donc voilà, vous avez les 3 pistes. Et donc le coût est marqué au fond des emplacements. Moi, je suis Sparte. Donc très simplement, je vais payer 2 pour monter mon militaire. Hein. On va faire dans la dentelle. Ben moi, j'ai 1 d'argent. Donc je vais faire le seul truc que je peux faire, c'est ça. Et on est d'accord que si je paye un parchemin pour faire monter en plus, il faut que je paye le coût. Tout à fait. Mmh. Ouais, c'est dommage. Ça ne m'arrange pas. Ouais. Et du coup, elle aurait pu si j'avais eu un parchemin, j'aurais pu monter une autre piste, mais je n'ai pas de parchemin. Et quand on monte sur les pistes, on passe parfois des niveaux qui nous rapportent des bénéfices. Donc par exemple, là, en montant mon militaire de 1 niveau, j'ai gagné 1 point de gloire. Ouais, c'est bien. Donc ça, c'est cool.
Ça, c'est une bonne nouvelle. À mon désespoir d'argent. Donc, fin du progrès, on fait la résolution de l'événement durant la phase de dé de ce tour. Donc ça, c'était au début, hein, on l'a déjà fait au début. Et du coup, ça ne compte pas. Succès, les joueurs qui ont atteint un succès. Les succès, c'est avoir 10, être le premier à avoir 10 points, être le premier à avoir 12 citoyens, être le premier à avoir fait 6, à avoir un niveau de 6 armées, être le premier à avoir un niveau 4 en économie, être le premier à avoir 3 cartes. Posé 3 cartes devant soi. Si on arrive à faire ça en premier, on pose son jeton de couleur dessus et on gagne... soit un point, enfin soit un d'argent, soit un de prestige. Voilà, et quand on a fini ça, on recommence au début. Donc nouvelle carte événement, aide de la Lydie. Gagner chacun 3 pièces de monnaie. Yeah, sauf bébé, que c'est pas maintenant, c'est à la résolution de l'événement, appliquer l'effet de la carte événement. Donc on sait que à la fin du tour, on aura 3 pièces. Mais ça sera après la phase progrès, nique ta mère. Pardon, excusez-moi. Donc là. Et Kyo ne répond toujours pas. Bah tant mieux, c'est déjà qu'il est pas en chemin. Peut-être n'est-il pas encore sorti de réunion, effectivement. Donc, l'impôt, on gagne 0 parce qu'on est à 0. Voilà, ça c'est pas compliqué. Super. Hein. On lance les dés. Oups. Et on choisit nos actions. Donc j'ai fait un 2 et un 5. Marjo a fait un 2 et un 1. Waouh. C'est dur. Mais ouais, c'est, là c'est moche. Dur à l'ex, c'est de l'ex. Alors, sachant que, ici, quand on passe au niveau du niveau 3 au niveau 4 en culture, on gagne un dé supplémentaire. Qui dit dé supplémentaire, dit action supplémentaire. Donc, on a très envie de débloquer celui-là, bien sûr. Bon. Voilà. Vache, c'est combien, ça ? Ah, je peux pas faire ce que je voulais. Merde ! J'ai des dés de Dermer. Alors, je vous rappelle qu'on n'a pas drafté au départ. Hein. Bon, bah, je vais refaire ça, hein. Putain. Ça me coûte quand même un truc, la vache. J'ai que des cartes difficiles. Bon. J'ai que des cartes qui favorisent le commerce, c'est quand même dommage. Bah, c'est pour ça que le draft, c'est oui, pas mal. Oui, oui. Du coup, je vais faire ça. Et non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais faire ça. Et ça. On y va. On est chaud. Donc j'ai choisi, nous avons choisi. Est-ce que vous êtes toujours là ? Vous êtes tellement silencieux. Je vous ai pris de court hein, avec ce live d'après. Est-ce que c'est bien, les lives de jeu en réel ? Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que vous en voulez ? Est-ce que vous en redemandez ? Ou est-ce que vous préférez TTS, finalement ? Non, vous voulez des lives qui ne soient pas à 18h sans qu'on vous ait prévenu, ça, je suis d'accord. Non, mais ils sont bien, ils regardent. Laissez-les tranquilles. Bon, moi, j'ai fait 1 et 3. Moi, j'ai fait 1 également et 4. Bah ouais. Mais moi, avec mon 1 et mon 2, là, donc je perds quand même 1. Alors, toutes les deux, l'action législation ensemble. Donc, on gagne 3. 1, 2, 3. Super. Tout à fait. Et 2 cartes. Et on pioche 2 cartes. On sent qu'on veut de la carte, hein, on en demande. Oui, on aurait pu faire le draft au début, j'en ai conscience. Ah ! Attends, quoi ? Mais ça, c'est plus pérenne. Prendre ça. Oh, c'est bien ça ! Mais faut payer ou pas ? Il y a la règle avec l'explication des cartes. Pourquoi ? Fais voir. Bah, celle-ci. Lors de votre phase de progrès, vous pouvez augmenter jusqu'à un total de 2 niveaux sur les pistes de votre choix. Mais il faut que je paye à chaque fois. Oui, il faut que tu payes à chaque fois. Alors, je ne la prends pas. Putain, elle est bien. Oui, elle est bien, mais j'ai pas un rond. Toujours présent. Merci beaucoup, d'ailleurs. Du coup, moi j'ai fait commerce parce que bah, j'étais un peu au désespoir et que ça me fait quand même 2 pièces. Donc écoute. Et ça fait quoi d'autre ? Bah que dalle, parce que je peux acheter pour 5, mais vu que j'ai que 2 pièces. Moi j'étais au désespoir. Bah ouais. Donc elle gagne 2 parce qu'elle prend 1 de plus que son niveau et elle a qu'un seul niveau en économie. Bah oui. C'était pas. Bah oui, mais j'avais pas tellement. Et moi je fais l'action militaire, je gagne autant d'armée que de mon niveau de militaire, donc j'ai un niveau 2. Autant, ça fait pas beaucoup. Je gagne 2 militaires, quoi. Puis, vous pouvez réaliser une colonisation. Alors, je pourrais déjà faire une colonisation. Je vais peut-être le faire, hein, même si c'est pas grand-chose, parce que...
Parce que ça me permettrait de poser une petite carte. Allez, comment je vais prendre celle-ci. Bah, parce que j'ai des jetons. Je gagne un jeton quand même. Oui, hop, mais là. Ça te permet pas de poser une carte. Non, mais un jeton, c'est intéressant. C'est toujours intéressant. Ah oui, d'accord. Mais t'as dit, donc, j'ai gagné. Carte. Je prends ce jeton-là. Je fais, en fait, la... Alors, je vois que la lumière change vachement en fonction de si je mets mon bras ou pas. J'espère que ça change pas trop. Donc, ici, avec deux armées, je pouvais coloniser cette région. Hein. Et du coup, ça, bon, c'est sûr, ils ont pas fait du thématique ici. Hein. C'est des jetons avec des coups. Mais là, il me fallait deux armées pour l'avoir. Et ça me coûte une tête de mort. C'est-à-dire, je perds une armée au combat. Non, en live, c'est mieux 20 minutes et vous êtes déjà au deuxième tour de jeu. Un record, oui, c'est vrai. Ah oui, là, vraiment, elle est speed. Ouais, non, bah, je speed pour Kyo. De ouf, là. Et en me reconnectant, je me suis dit qu'elles n'auraient pas encore commencé. Non, mais ça, c'est sûr qu'on sait, TTS, c'est extrêmement lent. Hein. C'est le grand problème de TTS. Hein. Mais c'est juste que ça permet TTS de jouer à plein de jeux que je n'ai pas. Et de jouer avec des gens qui ne sont pas là aussi, des gens qui ne sont pas dans ma maison. Du coup, fin des actions, progrès, on choisit un niveau. Moi, je n'augmente pas, j'ai pas d'argent. Et ben moi, je vais payer pour monter la culture. Je sais pas si c'est un bon choix, mais je le fais. Et je résous l'événement, on gagne 3 pièces chacun. J'avoue, j'aurais bien aimé que ce soit au tour d'avant, mais bon. Voilà. Et succès, les joueurs qui ont atteint succès, personne. On fait l'événement du tour numéro 3. Donc, le jeu se termine au bout de 9 tours. Ça va très vite. Hein. Ça va très vite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme on joue tout en simultané ou presque, alors il faut savoir que c'est ou presque. Hein. Normalement, il y a des phases, genre la colonisation, si on le fait ensemble, il faut qu'il y ait un tour de jeu qui est respecté. Donc, voilà. Le joueur ayant la plus haute valeur d'armée gagne 4 points. Super. Celui qui a la plus basse perd 4 points. Bah, vu que j'en ai 0, je vais pas trop m'affoler. C'est pas très grave. Impôt, on est toujours à 0. Youpi ! Ça, on a de l'argent, hein. Cette partie, ça fait flipper, quoi. Ouais. Oh, c'est pas possible. Du coup... Moi, j'aimerais monter ça, là. Je voudrais récupérer le dé. Ben, on en est tous, là. Non, je vais faire ça. Donc, du coup, je vais faire... Alors, je tire les deux dés déjà pour voir. Mais vous voyez, je regarde même pas parce que je sais que j'ai des citoyens. Donc, le double 1, oui, c'est un peu pénible. Bah, si tu fais... Moi, tout à l'heure, j'ai fait 1 et 2. Je t'avoue que j'ai pas choisi les actions que j'avais envie de faire. Hein. Oui, mais du coup, c'est une contrainte. Mais c'est après, bien aussi. C'est autre chose, quoi. Donc, ça, je peux le faire. Est-ce que je fais fumer ? Ouais, je vais faire ça, tiens, pour une fois. Allez. On n'a pas du tout joué comme ça hier. Ok, donc, on n'a pas fait les impôts. Les impôts, on n'a pas d'argent. Non, mais si décidément, on a fait, on a pas d'argent. C'est compliqué. On fait les actions. Attends, non, je vais, excusez-moi, c'était un 2, ça. Je vais, c'est un peu dommage de faire ça. On dirait un épisode de 24. Je vais, allez, je vais tellement faire speed. Ça, comme ça me coûte rien. Toujours pas de réponse de Kyo. Avec un peu de chance, il est pas sorti de sa réunion. Ça serait vraiment de la chance. Alors moi, je fais 1 et 6. Ok, moi, je fais 0 et 5. Donc, 0, je gagne un jeton philosophie. C'est tout simple. La philosophie, ça permet de gagner les jetons qui permettent de faire des petites actions supplémentaires. Et 1, tout ça. Je fais 1, 2, 3. Et je prends 2 cartes politiques, s'il te plaît. Très bien, ça c'est l'action législation. Ensuite, c'est à moi, puisque c'est l'action numéro 5, c'est l'action politique. Je joue une carte politique de ma main. Et donc, du coup, j'ai... Bon, j'ai pas eu de bol sur les cartes. Hein, j'aurais pu essayer de viser celle-là. Attention à la tasse. Ça, c'est bien. Alors, on va essayer de... Bon, on va jouer celle-ci. On va jouer celle-ci parce que c'est toujours bien. Elle me coûte rien en plus. Et je gagne une chouette. Hop. Et la chouette, c'est les impôts. Les impôts, c'est une petite pièce au niveau de son tour. Voilà. Attends, alors, du coup, moi, j'ai 4, mais je veux faire l'action de développement qui est à 6, donc je perds 2 citoyens. 2 citoyens.
Et par contre, je peux débloquer. Alors. Je suis con. Alors, Al Pacino 974 nous dit super jeu, mais j'ai trouvé que le manque d'interaction fait que celui. Je peux qui changer cette carte rapidement. Reste devant. Vous en pensez quoi? Je suis en train de lire. D'accord, mais je change. C'est pas de la triche. Parce que je peux pas la faire en fait, action. C'est super de la triche, parce que c'est pas grave, on s'en fout, t'es avec moi. Donc je perds que. Si, un. Elle perdra. Alors, celui qui est devant restera. Ah, mais non, c'est reste devant. Marjo, je suis en train de parler aux gens. C'est bon. Oui, mais. T'écoutes la question du monsieur? Oui, j'ai lu la question du monsieur, mais il faut bien qu'il comprenne ce que je fais. Oui, non, mais là, c'était important. Il pose une question. Tu Est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses de sa question? Que chacun est dans son coin, clairement, il n'y a pas d'interaction. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange forcément. Mm-hmm. Maintenant, je peux comprendre que ça gêne. Non, c'était plutôt le côté. Mais le côté celui qui est devant reste devant. Je suis pas convaincue parce que tout ce qui est colonisation, c'est un truc que tu comptes à la fin. Et ça peut, je pense, vraiment faire une différence. Pour l'instant, je pense pas que ça ait effectivement un gros impact, puisque il n'y a pas d'influence d'impact. Chacun joue dans son coin et donc c'est le meilleur qui s'en sort le mieux. Par contre, le côté pas d'interaction, c'est vrai qu'il n'y en a pas du tout. Parce qu'en plus, tu peux faire pas mal de points sur tes cartes aussi. Si tu as 2-3 cartes qui scorent et 2-3 trucs là qui scorent, moi je pense que tu peux être derrière et. Et d'un coup, avancer de 25 points, alors que l'autre, tous les points qu'il a fait, il les a fait dans la partie, en fait. Donc, je suis pas. J'ai pas fait assez de parties pour avoir un avis tranché. Pour l'instant, ça m'a pas gênée. Même si, clairement, elle était devant toute la partie et elle est restée devant rien. Tout se joue au draft, je dis ça après une partie. Alors, nous n'avons pas fait de draft. Là, on n'avait pas le temps, on est très pressés. Donc mais on je regrette un peu. Mais oui, bien sûr que ça se joue au draft. Puisqu'on fait avec les cartes, après, c'est un peu nos cartes qui vont faire toute la diff au niveau de la construction de moteur et tout, mais là j'avais pas le temps, donc on la joue violente. On a pioché plein de cartes du coup, mais effectivement la chance des cartes plus que la chance des dés que j'ai vu comme une critique, la chance des dés moi je l'ai pas ressenti. Par contre la chance des cartes, oui, la chance des cartes, si t'as le bon moteur au bon moment à la bonne pioche, c'est cool. Donc le draft est effectivement très important au départ. Du coup, je fais mon tour, parce qu'en fait, je faisais des trucs un peu particuliers. Alors, je t'écoute. Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai fait l'action 6. Finalement, j'ai fait l'action 6. Je suis revenue, finalement, je peux la faire. J'avais bien calculé. C'est pour ça que... Donc, je suis descendue de 2. Mmh. Je veux débloquer le développement suivant. Donc, il me faut une harpe verte et une amphore rouge. J'ai une harpe. Je dépense 2 parchemins pour compenser la rouge que je n'ai pas. Et je grimpe. Très bien. Et donc, maintenant, à chaque fois que je joue une carte politique, je gagne 2 hiboux et 3 points de victoire. Très bien. Moi, je suis en train de voir qu'il aurait fallu absolument que j'essaye d'avoir ça, là. Et que tu as pris une amphore. C'est ça. Donc, il m'aurait fallu 2 bleus, hein, absolument, pour passer à un niveau supérieur. Et j'ai pris un jeton rouge. Al Pacino, j'ai une théorie qui est que il y a des jeux qui sont imparfaits et des jeux qui vont avoir des défauts qui ne sont pas forcément des défauts, en fait. Le manque d'interaction, ça dépend si t'aimes beaucoup l'interaction. Ça dépend si t'as envie d'interaction au moment où t'es en train de jouer ce jour-là. Moi, personnellement, le manque d'interaction, je m'en fous. C'est vraiment pas un critère pour un jeu. Pour moi, il y a des jeux que j'adore où on est vraiment dans sa bulle. Et il y a des fois des jeux où j'ai eu des super parties parce qu'il y avait beaucoup d'interaction. Donc, c'est pas un critère. Le hasard des dés, à partir du moment où je sais que je peux le contrebalancer... C'est pas un critère. Et ce qui compte pour moi, c'est qu'au-delà des défauts, il y ait le ressenti général. Qu'est-ce qu'on a l'impression? Moi, ce que j'ai ressenti de façon générale et que je trouve hyper qualitatif dans ce jeu, c'est que ça va vite, ça va fluide, on ne s'ennuie pas, on est impliqué à chaque seconde. Il n'y a pas de tour de jeu où on est là à regarder l'autre en se disant « Putain, quand est-ce qu'il termine ? Qu'on passe à la suite ?» Il y a vraiment... Voilà, ça dure 1h15 et pendant 1h15, on est dans notre truc. Moi, la seule critique que j'aurais vraiment, c'est le côté, effectivement, une fois que tu as bien compris ta ville, tu vois à peu près ta ville, tu vas à peu près toujours avoir la même tactique avec cette ville-là. Et ça va tout dépendre sur la carte de draft. Et du coup, est-ce qu'il n'y aura pas un peu un manque de rejouabilité sur le long terme? Pour l'instant, on a pris beaucoup de plaisir et j'ai besoin de 2-3 parties pour voir si... Mais j'ai pas l'impression, parce qu'on doit quand même faire avec ce qu'on a. Avec le jet de dés, justement, qui oblige parfois à prendre une autre décision que ce qu'on avait.
Et les cartes événements. Je pense que c'est un jeu qui gagnerait à avoir le quadruple en cartes politiques et des cartes et le quadruple en cartes événements. Et c'est un jeu qui, à mon avis, va avoir des extensions. J'imagine des extensions qui pourraient bien enrichir la rejouabilité du jeu. Mais pour moi, c'est quand même, enfin voilà, c'est un très bon jeu. On a passé un très bon moment et on avait envie de refaire une partie. Donc voilà, on y est quoi. Du coup, progrès, c'est ça l'idée. Mais toi, t'as fait politique. C'est quoi la carte que t'as posée? J'ai posé ça, non? Ah d'accord. J'ai pas posé ça. Bah je sais pas. Bah meuf, tu me fous le doute. Est-ce que vous m'avez vu? J'ai posé ça à ce tour-là. Parce que toi, t'as fait l'action 6. Donc tu l'as fait après moi. Bah oui, mais bah, voilà. J'avais l'impression que tu l'avais déjà... Mais d'accord, ok, t'as dû faire ça. Du coup, progrès. Et moi, je vais dépenser 4 pour grimper là et grimper ma petite chouette. Moi, je vais dépenser 2 pour grimper en économie. Puis dépenser ce jeton pour redépenser 2 pour regrimper en économie. Ce qui me donne au passage, parce que quand on dépense un jeton dans cette phase, on peut monter à nouveau d'un niveau de progrès. Ce qui me donne au passage 6 citoyens. 6. Ce qui fait que je dépasse le niveau 12 en premier de nous deux. Mmh. Et donc je gagne l'objectif 12 citoyens. Et comme j'ai gagné cet objectif, je gagne immédiatement soit un point de gloire, soit un point d'impôt. Et je vais... Je vais prendre un point de gloire. On va voir. Et surtout, j'aime sa fluidité à ce jeu. Ça, c'est vraiment plaisant. Donc, on résout l'événement. On l'a déjà fait. Non, tu gagnes 4 points et j'en perds 4. Le joueur ayant la plus haute valeur militaire gagne 4 points et celui qui n'en a pas, voilà, perd. Donc toi, tu es toujours à 0, c'est ça qui est bien. Succès, les joueurs qui ont atteint un succès. Ah bah oui, c'était maintenant que je prenais mon point. Mais c'est bon, c'est fait. Et on refait une phase. Hop, nouvelle carte événement. Pas de réponse de Kyo. Pour l'instant, on est chaud, on est chaud. En fin de manche, le joueur ayant la plus haute valeur militaire peut faire une action politique. J'avoue, c'est complètement orienté pour moi. Ok, il y a Kyo qui vient de me répondre qu'il peut n'arriver qu'à 19h. Donc à première vue, nous avons le temps de finir la partie. Je pense qu'il va même me dire « t'as le temps de finir la partie en live ». Vas-y. Il y a moyen qu'il se foute de moi. On va voir ça tout de suite. Info. On gagne chacune 1. Donc, youhou. Tiens, c'est marrant, il y a... Tiens. La carte était un peu habillée. Info, oui, on gagne chacune 1. C'est pas foufou. Hein, Non. Ok, donc on jette les dés. Moi j'aurais voulu le monter là. Oh putain, c'est pas possible! 4 et 3. Ah, va pas nous faire dire ce qu'on dit depuis le début, qu'on dit que c'est pas grave. T'en as des citoyens? Oui, mais du coup, je. Ah bah de toute façon, tu l'as fait cet objectif. Bah oui, je l'ai fait l'objectif. T'en fous? Du coup. Non, déjà. Moi je voudrais des têtes bleues pour faire ça. Hey! J'avais pas vu, chaque fois que vous réalisez une colonisation, perdez une armée de moins qu'indiqué. Donc moi, je suis à 2. Hein, on est d'accord? Non, mais je suis encore en train de me faire défoncer, c'est frustrant. Hein. Hey, salut Kyo, t'as compris pourquoi je te demandais si tu pouvais n'arriver qu'à 19h du coup? Merci d'avoir répondu oui. On est en train de tester la nouvelle caméra, t'en penses quoi? C'est pas mal, hein? C'est quand même vachement mieux que ce qu'on avait sur la vallée des marchands la dernière fois avec l'éclairage pourri et tout ça, quoi. Ensuite, annonce de l'événement, donc ça on a dit, impôt, gagné autant, c'est fait, D, on y va, j'ai 4 et 3, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Enfin, ça me met où ça? Ouais, c'est bien ça. Et je vais faire... Ok, je vais faire ça. Non. Oh, putain, j'ai été con. Ah, mais je peux pas. Si, je vais faire ça. Mmh. Je suis une ouf. Du coup, bam, bam. Gros tour. On est des malades.
Désespoir, quoi. Donc, vas-y. Je fais l'action commerce moi et aussi. L'action militaire. Ok, moi, l'action politique. Ok. Donc, commerce. Je gagne une pièce de plus que mon niveau d'économie. Mmh. Donc, je gagne ouais. 3 pièces. Parce, même 4 pièces, parce que je suis au niveau 3. Et je peux acheter... J'avais cette carte que j'ai posée au début. Vous vous souvenez, cette carte est très très bien. C'est dommage que j'ai pas la mise au point automatique. Moi, je vais travailler là-dessus. Mais cette carte me permet de payer les jetons 3 au lieu de les payer 5. Donc, je vais en prendre un bleu, comme ça, pour 3 pièces. Oups, pardon. Ok. Moi, j'ai fait commerce, j'ai gagné 2 pièces et je peux rien acheter parce que j'ai que 4. Et par contre, j'ai fait l'action 3 avec un dé 1, donc je perds des 2. Vas-y, à toi, militaire. C'est dur, hein, ta partie, elle est dure. J'en souffre. Donc moi, j'ai fait militaire... J'adore quand même. J'ai fait militaire en deuxième action. Et militaire, c'est gagner autant d'armées, recruter autant d'armées que votre niveau en militaire. Donc moi, je peux monter de 2 ici. Puis je peux réaliser une colonisation. Et en fait, je vais réaliser une colonisation là, qui demande exactement 4... militaire, donc je les ai, ça me fait perdre 4 armées, mais 3. Un de moins, j'en perds que 3, et du coup, j'ai mes 2 jetons bleus dont j'avais besoin, merci, bonsoir. Et je gagne une pièce, tout de suite, ça fait plaisir aussi, et un point. Voilà, ça typiquement, si j'avais pu l'anticiper, j'aurais fait action militaire. Pourquoi ? Bah parce qu'on aurait été à égalité et il n'y avait pas de... Tu gagnes une action politique gratuite, ah oui, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça fait... Bref, peu importe. Du coup, super. Moi, je fais l'action politique. Je joue une carte politique de ma main. Je vais jouer celle-ci qui fait que chaque fois que je fais l'action culture, je peux gagner 2 hiboux, enfin 2 pièces. Et là, chaque fois que je joue une carte, je gagne 2 pièces. Je vais acheter un joli tapis. Et 3 points de victoire. Genre en bleu foncé. Comme ça va faire beaucoup de bleu foncé, peut-être, vous allez me dire. Mais du coup, ça sera classe, non ? Ça ressortira bien, le jeu. Parce que là, c'est ton sur ton. Hein, avec ce jeu, on est beige sur beige, quoi. Et donc, t'as fini, on a fini, tout a fini. On monte les progrès. Ouais, j'ai des sous. Qu'est-ce que je fais ? Je fais ça. C'est abusé si je fais ça. Alors, mon but, c'est quand même d'être en militaire. Moi, je vais payer 2 pour grimper là et faire ça. Ça, c'est génial, ça. Non, il faut que je monte mon niveau militaire. Oui, il faut que je monte l'action militaire. Pouf. Pour l'instant... Je m'arrête là. Il faut que je garde mes sous parce qu'il faut que j'ai des sous. Ok. Ouais. Résolution de l'événement, le joueur ayant la plus haute valeur de militaire peut faire une action politique. C'est moi ! Est-ce que je peux faire une action politique ? Faut que tu poses une carte. Est-ce que tu peux poser une carte ? Putain, c'est con, j'ai pas gardé mes sous. Ah ! J'ai pas gardé mes sous ! Ouais, mais reviens en arrière, si tu veux. J'ai droit à un retour en arrière ? Ouais. Parce qu'elle est bien. Tout ce que si jamais elle gagne, elle n'aurait pas dû. Elle est bien. Donc je descends en militaire ? Et tu récupères tes 3 pièces. Bon, allez, je la joue. Je peux faire une nouvelle action politique. Donc, je joue cette carte qui me demandait 2 tokens bleus. Et je les ai maintenant. Et deux pièces. Et durant chaque phase d'impôt, je gagne 2 armées. Non, putain, c'est pas possible. Mais en fait, les gars... C'est très, très vénère. Je me noie à chaque partie de ce jeu, quoi. Allez, vas-y. Merci, Cordalinge. Coucou, merci pour ton passage. Et bonne fin de journée à toi. Ok. Annonce de l'événement suivant. Victoire militaire. Oh, t'as pas de bol. Mais c'est... Le joueur ayant la plus haute valeur de militaire peut... Enfin, d'armée, peut augmenter de 1 niveau sur la piste de son choix. Oh, c'est pas... Avec une réduction du coût de 2. Oh, j'avoue, c'est injuste. Mais on est presque au même niveau. Hein. Et mais, on a le même niveau en militaire. Mais tu fais la phase de revenu, tu vas en gagner 2, là. Rien que... C'est vrai. Arrête de te moquer de moi. C'est vrai. Du coup, on fait les impôts. Et les impôts font que moi je gagne 2 militaires. Et tu gagnes une pièce. J'ai envie de crever, les gars.
Je l'ai déjà battu énormément fort. Ouais, ouais, non, mais ça fait mal au fiac, là. Mais c'est pas grave. Oh, c'est pas possible. Alors. Ah, mais non. Démerde-toi avec les dés, voyons. Tiens, allez, je vais prendre des valeurs qui sont au-dessus. Moi, j'ai fait 4 et 4. Hop. Je vais faire ça. Elle va être bien, mon action militaire, je te le dis. Ok. Oui, mais ça veut dire que du coup, je me bats pas à ce tour-là, tu vois. Comment ça, tu te bats pas? Eh, hey, au fait, j'ai 3 cartes. Oh putain, c'est pas vrai. Donc j'ai un deuxième succès, du coup, je vais monter là. Voilà. C'était juste, on avait oublié. Ça se passe mal pour moi, les enfants. Mais mal. Mais mal. Ouais. Abrège mes souffrances, s'il te plaît. Non, bah, je réfléchis. Comment on monte, là? Ouais, il faut payer. Elle est bien, hein, celle-là. Je vais faire ça. Attends, j'ai mis quoi, là? J'ai fait... Ouais. Ok, développement et... ça. Merci, Glantine. Politique. Mais en vrai, l'absence de draft me pénalise beaucoup, dit-il. Oui, alors, il faut savoir que mes cartes, sans vouloir me jeter des fleurs, ne joue que sur le commerce, alors que j'ai une faction militaire. Donc, j'ai juste à... Non, non, mais je suis pas très douée. Mais par contre, j'aime beaucoup, malgré tout. C'est bon? Oui. Alors, moi, j'ai fait l'action 3. Mais oui, le draft ne nous pas. Et l'action 5. Moi, j'ai fait l'action 5. Et l'action 6. Et l'action 6. OK. Donc, je commence. Alors, l'action 3, alors là, 3, oui, tout à fait, Miroslav Dragon. Par contre, je trouve que trop de cartes événements bénéficient du militaire, je effectivement. Deux machins. Et il y a plein... Il y en a... Il y a des cartes événements. C'est dommage qu'on puisse pas équilibrer, genre, avec des codes couleurs, genre... Tu peux avoir un vert, s'il te plaît. Tu vas chercher vraiment un... Trois d'un genre et trois d'un autre pour pouvoir mélanger. Mais hier, si vous avez pas... Il y avait eu beaucoup plus de trucs. Et 5. Sur le commerce. Ok. L'action 5. Après, Athènes, c'est pas non plus une population qui peut pas se battre. Hein. Elle pourrait très bien monter le militaire, faut pas oublier ça. Oui, oui, mais là, je suis pas sur la... Ça, je suis sur... Ah, qu'est-ce qui se passe? Olivier de Yellow. Yeah Star. Olivier, tadam. C'est qui gagne? Salut. Je me demande de qui ce jeu... Par qui est édité ce jeu, dis donc. C'est qui gagne? Mais c'est Pénélope. On a fait une partie hier, elle m'a éclaté. J'ai voulu prendre une revanche. Je me... refait éclater. Et alors on étraîne la nouvelle caméra que j'ai achetée spécialement avec ce jeu, Olivier. Voilà. C'était un peu le but, c'est grâce à vos abonnements. Voilà. Donc merci. Merci pour les abos. Encore une fois. Donc là, l'action politique. Moi, je joue 7 cartes. Il me faut 2 harpes là et une pièce. Et du coup, je peux augmenter sur la piste gratuitement. Bim, j'ai le troisième dé. C'est mon seul coup de maître de la partie. Allez, alors, ça peut avoir l'air de rien, mais si elle s'est concentrée là-dessus et que c'est pour ça qu'elle traîne un peu la patte, parce qu'elle fait tout pour avoir le troisième dé, maintenant, elle a 3 actions, moi, j'en ai que 2. Hein. Donc, on va arrêter de pleurnicher sur son sort. T'as, hier, en plus, je me suis fait tellement laminer j'allais dire laminer les fesses, mais c'est un peu ça, hein, par janvier pendant la partie de Summoner Wars. C'était tellement violent que je suis contente de gagner un peu. Mais attendez, j'ai pas gagné, hein. Faut arrêter maintenant. Politique, moi aussi je joue une carte en main, c'est ça? Je vais jouer une carte conseil. Je pioche 2 cartes de la pioche et je les ajoute à ma main. Ah, et attends, je gagne 2 comme ça et 3 points de victoire. Ah, chier, putain. Pas déconner. C'est pas mal, mais. Ah voilà, j'ai eu des cartes par exemple, là j'ai eu des cartes que je ne voulais pas, donc bah c'est chiant. Et du coup, après j'ai développement toi aussi, non? Non, moi j'ai fait mes 2 actions là. Ok, alors moi j'ai développement... comment tu peux avoir fait tes 2 actions? Ah oui, bah, oui, pardon. Je débloque le niveau suivant de ma tuilicité, puisqu'il me faut 2 jetons bleus que j'ai là, et un drachme que j'ai ici, je le paye, et chaque fois que je fais une action militaire, je gagne un niveau d'économie. Mais ça, je pense que... Mais genre gratuit? Mais ça, c'est trop con. J'aurais vraiment dû faire gaffe et faire ça. C'était ça qu'il fallait que je fasse en premier avec Sparte. C'est-à-dire que Sparte, plus ils se battent, plus ils gagnent de pesos. Okay. Donc, on arrive à la résolution de l'événement.
Le joueur ayant la plus haute valeur militaire peut augmenter de 1 sur la piste de son choix. Oui, bah ça va. Bah, je vais monter en militaire. Non, je vais monter... Ah, je sais pas. En plus, je suis dégoûtée parce que je peux pas payer le coût de... Parce que là, on a fait le progrès. On n'a pas fait le progrès. On n'a pas fait le progrès. Non. Et j'ai pas le coût, en fait. Ah oui, c'est là, on fait progrès. Ouais, toi, tu peux le faire. Moi, je peux pas le faire. Mais du coup, je suis contente de monter gratuitement. Je peux en faire qu'un. Ah, c'est pas gratuitement, c'est avec une réduction de 2. Donc, bah, j'ai pas le choix. Ça me coûte 1 et je vais monter là, je pense. J'ai envie de la buter. Elle fait encore un succès, celle-là. Bah ouais, mais faudrait que je monte en militaire. Mmh. Mais en même temps, ça me fait plaisir de te couper l'herbe sous le pied. Donc, j'y vais parce que je... Mmh, bah... Hop. Je fais un troisième succès, ce qui fait que je gagne un truc, je vais me mettre là. Bon, bah, du coup, voilà, je monte en militaire. Merci Kyo beaucoup pour le financement d'un stream deck. Mais Kyo, tu es le patron ici, tu sais bien. Kyo, partenaire officiel de la chaîne de Penelope Gaming. Oh, je voudrais une bande publicitaire. Kyoshiro, partenaire officiel. Sponsor officiel. Bon. Ah, je sais pas quoi décider. Est assez typique de ce jeu. Oui, c'est tout à fait ça. On est surtout sur ces trois pistes-là. On passe notre temps à se dire « Je veux les trois ! Je veux les trois !» Ouais, non, là, là, ça me va pas du tout. Bon, allez, on continue. Ok, résolution de l'événement, donc je l'ai fait. Succès, j'ai gagné. Donc, c'est bon. On annonce de l'événement suivant. On est à 3 tours de la fin. Voilà, ça, mais c'est impossible. Ok, alors, est-ce que c'est encore un truc militaire? J'espère pas pour toi. Ben oui, c'est que des trucs militaires. Perdez chacun... un token comme ça, si vous en avez perdu un, gagnez 2. Alors, si perdez chacun un token comme ça, si vous en avez perdu un, gagnez 2. Mais je veux pas, moi. Bah ouais, on va se faire U, quoi. Super, merci les mecs. Putain. Putain. Ok, du coup, gagnez nos impôts. Ben, je gagne 1. C'est pas la... Au niveau du... L'économie est bien, mais les impôts sont pas... Ouais, c'est ça. 1. Ouh. C'est vraiment super. Ok, je rame. Allez. Le dilemme de 3. Tu veux aller à 3 ou pas ? Oh ! C'est pas possible ! Qu'est-ce qui t'arrive encore ? Ah ! Elle a fait le double 1 ! Alors, c'est vrai que là, elle a pas de chance. Eh ben, tant pis pour elle. Écoute, c'est la vie, hein. Voilà. Ah bah, regarde, j'ai un 1 et un 2. Et bon, j'ai 14 citoyens. C'est ça, c'est bon, quoi. Quoi ? Tu vas pas chialer, en plus ? Ben non. Alors... Bon, bah, je vais faire ça. On a quand même envie de... Ça. Du coup, si on veut faire ça. Clairement, on veut faire ça. Si je fais ça, est-ce que je peux me permettre ? Durant chaque phase d'impôt, pardon, excuse-moi, j'avais la carte qui disait que durant chaque phase d'impôt, je gagnais 2 épées. Elle était bien, celle-là. Et du coup, allez, je vais faire ça. Je crois que là, j'ai un truc qui est un peu létal. C'est-à-dire que j'ai des bons trucs qui font que mon action commerce et mon action militaire sont optimisés. Bon. Et ça, c'est bien. Allez, on va essayer ça. Ok, moi aussi. Alors, commerce et militaire. Alors, législation... Ah merde, elle a 3 actions, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Culture. Non, je suis cuite. Et politique. Non. Parce que regarde, hop... Déjà, ça va me coûter... Là, ça me coûte 1. Là, ça me coûte 2. Et alors, la première législation, je fais 1, 2, 3. Voilà, et je vais prendre 2 cartes politiques. Très bien. Depuis qu'il en a fait 2 d'affilée en live, maintenant, on appelle ça un Maxildan. Je ne sais pas ce que c'est, le dilemme de toi. Je ne sais pas. Oh, mais Kyo! Ooh, okay. 100 bits pour Marjo, je suis avec toi, courage, parce que derrière toi, c'est sale. Oui, je préfère. Oui, mais sans côte à côte, plutôt. C'est pourquoi que tu m'as donné ça, pour le remettre pour sous le paquet. Pour le remettre sous la... Ouais. Ok. Ok. Ensuite, je fais l'action culture, donc je gagne autant de points de victoire que mon niveau de culture, donc je gagne 4 points de victoire. Elle est devant moi sur la piste de points. Et vu que j'ai fait l'action culture, je gagne 2 pièces. Ok, vas-y, à toi de faire tes 2 actions. Ok, moi je fais commerce, je gagne 1 de plus que mon niveau de pancake. Oui, d'ailleurs, Olivier de Yellow... On dit qu'il faut qu'on se dépêche. On dit que le logo économie, on dirait une pile de pancakes. Mm. Donc nous, on appelle ça le niveau de pancakes. Voilà, donc on gagne 1 de plus et ça fait 5. Puis, vous pouvez acheter jusqu'à... Et moi, ça me coûte 3.
au lieu de 5 pour acheter un jeton. Ah, pardon, mais j'ai posé une... Non, j'ai pas posé de carte. Attends, pardon. Mais ce qui me fout la rage, c'est que ce jeton, je vais le perdre. C'est un peu triste. Hein. Du coup, je vais en acheter un que je regrette pas. C'est-à-dire aucun, parce qu'il me ferait tout si celui-là. Attends, je regarde si là, il y en a un que... Non, parce que je fais pas ça, donc on s'en fout. J'ai récupéré des sous et ça m'a coûté 3. Mais c'est quoi ce que je voilà. sens ouais. Et ensuite, je fais l'action militaire. Militaire, gagnez autant d'épées que votre niveau de guerre. Donc j'en gagne 2. Oh Mais c'est pas maintenant. Donc, cette action, tu veux pas respecter l'ordre, s'il te plaît? De quoi? Mais je fais mon action militaire. Oui, mais ah, non, là, tu es en train de prendre le bonus. Mais non, le succès, c'est à la fin du tour. Ah bah non, je le mets maintenant. Ah oui, non, d'accord, ok, succès. Cette action, 7. Hein. Ok, non, mais ça va. C'est pas des actions, c'est des phases d'abord. Oui, bah, 7 phases, quoi. 1, 3, 4, 5, 6, 7, oui, effectivement. Et alors, du coup, en militaire, je peux réaliser une... Oui, mais si je réalise une colonisation, je baisse. Donc non, c'est à partir du moment où je l'atteins, je l'ai. Eh ben non, t'es censé le faire, là. Les joueurs qui ont atteint un succès. Olivier. Moi, je pense pas. Hein. Bah, si. Sinon, il s'embêterait pas à le mettre. On fait pas ça depuis le début. Ah bah, moi, hier, quand j'ai gagné ce truc-là, je l'ai... J'étais pas descendu, hein. Quand t'as gagné ce truc-là, t'étais pas redescendu à la fin du tour, hein. Tu te trompes, hein. Ah bon, d'accord. Bah, vas-y, Olivier tranche. Kyo arrive, il nous dit de se dépêcher. Olivier nous a abandonnés, comment faire. Ouais. Bon, on sait que t'es monté, donc vas-y, fais ton action militaire. Non, mais je vais faire... du coup, je vais faire comme t'as dit. Il faut rester là-haut pour que ça marche. Mais c'est un peu bizarre. Bah non. Bah ouais. Bah non. Bah que. Donc à 7, je peux aller chercher quelque chose à 7. Je vais aller chercher un truc qui rapporte du point et des sous. 3 sous. À 7, 3 sous. 2 points et 2 sous. Et 3 points. Bon, on va prendre ça. Plus c'est bien. Et du coup, je prends 2 points et 2 sous. Par contre, je perds 6. Donc 5. Et j'avais un truc. À chaque fois que je fais l'action militaire, je gagne un niveau. Donc, je prends... Ah, est-ce que j'ai pris les 5 points qui sont là? Non, je ne les ai pas pris. C'est pas vrai. 1, 2, 3, 4, 5. Et en plus, je prends 5, 6... Oh, mais je peux pas aller plus haut. Mais là, ça me saoule parce que moi, j'étais arrivée à 10 en premier. Donc, normalement, j'avais ce truc-là. Mais là, c'est toi qui vas l'avoir. Pourquoi? Bah, parce qu'on est arrivé à 10 en même temps. Du coup, non, on l'a tous les deux. Ah, cool. Du coup, succès. Attends, je peux faire mon tour ou pas? Pardon. Excusez-moi. Ah, salut tout le monde, l'installation s'est bien passée. Oui, écoute, pour l'instant, ça a marché. Est-ce que vous trouvez que l'image est quand même... Je pose une carte militaire. Est-ce que ça valait le coup de dépenser ces sous? Je gagne un de la réserve à côté du plateau. Je veux bien un jeton bleu, s'il te plaît. Un jeton bleu, tout à fait, tiens. Merci. J'ai posé une carte, donc je gagne 2 comme ça et 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et c'est bon. Ok. Ouais, c'est bon. Du coup, progrès. Alors, progrès, moi je paye 3. Attends, j'étais. Bah, moi je paye 2 pour grimper là. Pour grimper ici. 1, 2, 3. Résolution de l'événement. Bon, bah, moi je perds chacun un. Si vous en avez perdu un, gagnez deux. Mais ça me, ça me rend ouf cette affaire de perdre des jetons comme ça. C'est gratos. Ouais, c'est clair. On gagne deux parchemins. Tu reviens au même. Hein. Oui, c'est ça. C'est même. Oui. C'est un bonus. C'est même. Pas si mal. Donc là, ouais. On a gagné le succès de 10 points toutes les deux. Donc on le met toutes les deux, c'est ça l'idée? Tout à fait. Et on prend du coup chacune un revenu. Parce que ça, on n'a plus le choix. Ah oui, c'est ça. Bon, moi, de toute façon, c'est ça que je prenais, donc ça ne me dérange pas. Voilà, je me mets par-dessus, comme ça, on croit qu'il n'y a que moi. Mm. Et ça y est, elle commence à se la péter. Non, mais on n'y est pas encore. Il reste... Moi, je pense qu'elle peut gagner, parce qu'en vrai, sur le militaire, hier, j'ai perdu, et elle a perdu sur le militaire, et moi, j'ai gagné sur le fric. Mais tu rigoles, j'avais joué sur le militaire. Alors, oui. Le joueur ayant la plus haute valeur de militaire gagne un parchemin. Celui qui a plus basse perd tous ses parchemins. Every time. Bon, faut alors oui, on dirait quand même que les événements jouent beaucoup quand même pour la guerre. Hein. Bah, ça pousse à faire la guerre. Qu'est-ce que j'ai fait?
Est-ce que ça serait parce que c'est quand même plus déséquilibré? Moi, je vous le dis, j'ai gagné hyper large en économique. Donc, est-ce que ça permet de redonner un peu l'envie de faire la guerre? Il faut dire que, bon, c'est important. Hein. Ah, dans la Grèce antique, c'était important. Du coup... Bon, impôts. Impôts. Je gagne autant que de chouettes. Donc, on gagne toutes les deux. Tout à fait. Ok. J'ai posé une carte, Du coup, je gagnais deux chouettes et trois... Non, je les ai pris. Je ne sais pas. Je crois que je les ai pris. Sur mes cartes, j'avais vraiment rien de... Rien de foufou. Je vais... faire ça. Ah, il faut que je tire les dés quand même. Yes. Donc là, je suis là. Et donc, je vais faire ça. Et... ça. Pouf. Il fait jour. Alors, ça change l'éclairage, mais le plateau est net et lisible. Merci, Cunu. Alors, il fait jour. Il faut savoir que nous, on habite au rez-de-chaussée. Le jour n'atteint pas. Nous avons mis des lampes blanches au plafond pour donner une impression de jour, mais la lumière du jour, elle est derrière nous et elle est très faible. Si j'éteignais toutes les lumières électriques, on serait dans le noir. Complet. En même temps, c'est pas Farmville. En Grèce antique, les... c'est clair, Kyo. En Grèce antique, les cités se tapaient souvent sur la tête. Plus simple de piller le voisin que de faire soi-même. Tout à fait. Du coup, on a fait les impôts, les actions. Militaire pour moi. Et développement. Sachez qu'elle a trois actions maintenant par tour, hein, et que je pense pas réussir à obtenir le troisième dé. Commerce, politique et développement et fonderie. Alors du coup, je perds 1, 2 pour le commerce, 1, 2, et après c'est bon. Ok. Donc c'est moi qui commence avec commerce. Je gagne 3 pièces. Ah, c'est là que j'ai été con. J'aurais pas dû faire ça. Oh non, c'est pas grave. Et je peux acheter... T'as fait commerce ? Ouais, ouais, c'est ça. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je vais acheter... Je suis prête. Je vais acheter un... Rouge ! Un casque bleu. Casque bleu. Un petit toquet de casque bleu. Il me manque juste une caméra pour vous montrer les éléments de près. Ça se travaille... Ça se réfléchit. Je regarde. Attends. Je vais acheter un rouge. Et un amphore rouge. Un amphore rouge. Tiens. Très bien. Ok, moi je fais le militaire. Militaire, je gagne autant d'armée que mon niveau militaire, ce qui est pas ouf. 1, 2, 3. Sauf que quand je fais l'action militaire. Alors, pendant ma phase d'impôt, je gagnais 2. Hein, j'ai oublié de les prendre. Pardon. Et quand je fais militaire, je gagne un niveau ici. Je vais arriver là-haut. Hein. Et je peux réaliser une colonisation. Là, il faut être intelligent. Parce que je vais pouvoir faire deux fois l'action militaire après et ça ne me rapportera que 3. En même temps, je ne suis pas obligée de... Hein. Je vais prendre celle qui me fait perdre le moins... Et qui me rapporte des points ou des sous. Des points. Allez, celle-ci. 5. Donc ça me coûte 4. Hop. Non, d'ailleurs, c'était 4. Donc ça moi, j'en perds que 3. Et je gagne 2 points. Et je prends ce jeton vert. Très bien. Ensuite. Politique. Politique. Donc moi, je... Il ne reste plus qu'une phase après. Cette carte. Et vu que j'ai fait... J'ai posé une carte, je gagne 2 et 3 points. Vous voyez, on n'est pas du tout sûr de, que je gagne hein, dans cette histoire.
J'ai aucun point en politique. Hein. On va bien voir. En combat, là. Non, mais j'en ai pas... Il y a zéro, moi, j'ai. Toi, t'as déjà, t'as 4 x 3, 12, là. 4 x 4, 16, t'as, déjà. 4 x 3, t'as. Du coup, je fais... Développement. Développement également. Moi, j'utilise mes deux parchemins, vu que de toute façon, ils vont dégager. Hein, moi, j'ai tous les jetons qu'il faut. Et je paye deux pièces. Et moi, mon développement, c'est de faire deux fois l'action militaire. Clap. Donc, je fais deux fois l'action militaire. Donc, c'est gagner autant d'épée que votre niveau de militaire. 1, 2, 3. Sachant que quand je fais l'action militaire, je gagne une chouette. Bah, je pense que c'est... Bah non, ça, tu l'as plus, ça. Non, c'est infini. Ah, parce que j'avais su, je serais montée plus vite, alors. Chaque fois que vous faites l'action militaire, hein, c'est précisé à l'écrit, hein. Oui, oui, mais je pensais que c'était quand t'étais sur... Ah non, 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 c'est... Machin. T'en bénéficies. Ah bah non, tu bénéficies de tout. D'accord, j'avais pas compris. Bah sinon, je vois pas l'intérêt de monter. Bah si, tu montes parce que du coup, à la fin, ça te débloque plein de points. Je pense pas. J'irai voir. Ding dong, je crois que Kyo est pas loin de la porte. Vas-y, il nous reste un tour. On arrive, Kyo. Faites deux fois l'action militaire. Du coup, je la fais deux... Donc bah du coup, je monte là. Pouf, je prends 10 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Je suppose si j'ai le droit de faire ça, mais à première vue, je l'ai. Pas de raison. C'est un peu le pouvoir de lui. Tu vois. L'action militaire, c'est que je peux coloniser. Donc, j'ai 7 pour coloniser. Je vais coloniser. Pareil, il faut que je gagne, mais que je perde pas trop. Donc, je vais prendre celui-là. Et ça me fait 5. Ça me fait que j'en perds 4. Donc 3. 1, 2, 3. Et je gagne 2 pièces. Et je peux le faire 2 fois. Donc je regagne 3 armées. 1, 2, 3. Et je peux recoloniser. Donc à nouveau, je voudrais pas payer pas trop cher et me faire plein de points. Donc là, je peux gagner 2 points. Là, je peux gagner 1 pièce et 2 points. C'est pas mal. Par contre, je perds 5 armées alors que là, j'en perds 3. Je vais quand même faire ça ici. Parce que je veux 2 pièces. Donc je vais perdre 5 armées. 4. Mais pardon. Attends. Ce qu'il faut, c'est que je regarde les couleurs dont j'ai besoin. J'ai 3 bleus, 2 rouges, 2 verts. Non, il me faut un vert. Donc je vais ici. Ce qui me fait perdre. 2 armées. 2 armées. 1, 2. Et gagner 2 points. On va encore me mettre tellement cher. Je finis pas le tour à 6, du coup, non. J'ai pas le... Donc, résolution de l'événement, je perds tous mes parchemins. Moi, j'en gagne un. Je suis désolée, hein. Elle en a tellement qu'elle les dépense même pas. Et, progrès d'abord. Moi, je monte sur cette piste-là en payant 4. Ce qui fait que je monte sur la piste de gloire. Je rappelle qu'à la fin... de la partie, il y aura des points marqués pour le nombre de points de gloire multipliés par le nombre de jetons, attention, de gloire, c'est-à-dire avec des dessus, je ne sais pas si vous voyez bien. Vu que moi, j'en ai pas, je ne me suis pas jeté dessus. Ah, c'est pas mal, cette caméra. Il y a comme des lauriers. Comme des lauriers dessus. C'est pas mal, ça, pour faire le zoom. Il faudrait que l'écran soit un peu plus grand. Maintenant, il me faut 4 pièces. Ok. Comment je fais ça? Val, ouvrez-lui, miskin. C'est vrai que t'es vraiment dehors, tu sonnes pas exprès. Dernière phase. Les joueurs qui ont atteint un succès gagnent. Hein, ouais. Alors, j'ai. Ah, c'est bon. Conquête de la perf, dernière manche. Si Persepolis a déjà été conquise, tous les joueurs peuvent faire une action de leur choix. Si Persepolis, celle-ci, n'a pas été conquise. Rien ne se passe. Conquérir Persepolis, ça permet de gagner 3 jetons. 3 jetons qui rentrent en fait dans le compte de multiplication avec les points de gloire. Donc c'est quand même super avantageux. J'aimerais bien les faire. Mais je suis à 10 points d'armée. Je ne pense pas que je puisse les faire. C'est même sûr que je ne puisse pas. Regarde. Par contre, ça, c'est pas mal. Donc, révolte, j'ai 3 moi. Non, j'ai 2. Impôt. Ouais. Ouais, j'ai 2. Et puis tu prends 2 épées aussi. Ah oui. C'est bien ça.
Du coup, je vais faire... Attendez, parce que ça, c'est bien. Donc, je pourrais quand même jouer ça. Pas sûr que j'y arrive à faire tout ce que je veux faire. Je vais en celui. Il y avait eu une phase, j'ai oublié de payer des meufs, hein, donc je vais descendre à 10. On s'en fout de toute façon. Non, mais le tour précédent, je devais 4, je sais plus, donc voilà. Du coup, ça, c'est bon. Et là... j'ai pas l'étude. Bon. Bah, l'action supplémentaire, je l'aurais bien faite, moi, personnellement. Quelle action supplémentaire? Pour pouvoir... j'ai pas assez d'action, quoi. Ah ben oui, je suis d'accord, mais moi, même avec plus d'action, j'ai toujours pas assez d'action. Donc, ok. C'est bon? Oui. Alors, moi, je fais la 3, la 2, la 3 et la 5. Donc, du coup, je paye une meuf seulement. Alors, l'autofocus, je l'ai retiré sur cette caméra parce que sinon, le point ici faisait pomper. C'était ça, parce qu'il n'y a pas assez de lumière dans la pièce pour que ça reste stable. Donc, pas d'autofocus. Par contre, il y en a un là. Normalement. Genre. Ce qui est pas mal finalement pour vous montrer les cartes. Il faudrait juste que l'écran soit un peu plus grand. Excuse-moi, au tour d'avant, au progrès, j'ai augmenté de ça. Je fais pas parce que je garde mes pièces et parce que j'ai ce truc là qui fait que je prends 4 points. Ce truc là, je te fais confiance. T'es revenu en arrière, consciemment. Hop. Okay. Donc là, moi j'ai l'action culture. Je prends autant de points de victoire que mon niveau de culture. Donc j'en prends 4. Ouais, elle est bien. C'est mon plus gros tour. Voilà. Et vu que j'ai fait ça, je gagne 2 chouettes. C'est pas mal. Ensuite, moi j'ai l'action 3, commerce. Mmh. Donc une chouette de plus que les pancakes. Donc j'en gagne 3. Les pancakes. Ouais, je vous jure, c'est la pile d'économie, c'est des pièces. Et comme les pièces sont pas régulières, on dirait des pancakes. J'aimerais vous montrer. Kyo, on va te voir bientôt. Je n'achète rien parce que je n'ai pas l'argent. Très bien. À mon tour, je fais le militaire. Je gagne autant que mon niveau de militaire. Donc, 1, 2, 3, 4. Est-ce que je suis dégoûtée de ne pas avoir 15? Oui, tout à fait. Mais je peux réaliser une colonisation. Et... j'ai une phase militaire. Non, c'est bon, ça. Alors, c'est bon. Si tu descends, si tu ne fais pas plus que 1, 2, 3, 4... si tu fais 5 au maximum de pertes, tu restes à 6 et du coup tu peux grimper ça encore 1. Donc tu feras un multiple de 6. Oui, c'est vrai. Mais si je fais 11, je peux avoir un truc qui me rapporte 6 points là, moi. C'est toi qui vois. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Effectivement, ça me rapporte. Non, tu multiplies pas ceux-là. Hein. Ah oui, tout à fait. 1, 2, 3, 4, 5, fois 5, 25. Et si j'en ai un sixième, ouais, je ne sais pas. Bon, je suis pas bonne en maths. Non, mais ça se vaut. 1, 2, 3, 4, 5, il faudrait que j'en perde 6 max, donc 6 max. Je peux en perdre 7. Ah non, 6 max, c'est ça. Bah, je vais prendre lui. Qui me coûte 8. Et tu perds 5. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Je suis niveau 6 et je gagne 4 points. Merci Marjorie de ton aide précieuse. Pancakes. Et l'action politique. Comment ça, il a plus le son ni l'image? Pourquoi il a plus le son ni l'image? Et moi aussi, je fais l'action politique et je joue cette carte. Hein. Je l'avais déjà posée, c'est complètement con de ma part. Ah bah c'est à Vincennes, on capte rien. Qui me coûte 2. Et ouais. Qui me demande des jetons et qui me dit qu'à la fin de la partie, chacun de mes jetons me rapporte un point. 6, mais je gagne 10 points. Allez ! Non, mais tu vas me niquer. Je gagne aucun point en militaire, je te rappelle. 0. On va voir. T'en gagnes 30. Non, et mais la partie se termine. Voir. Attends, j'ai fait ça, donc je gagne quand même 2 chouettes. 3 points de victoire. T'as fait ça, quoi ? J'ai... chaque fois que vous posez une carte. D'accord, d'accord. Et du coup, j'ai ça aussi, et donc je gagne 2. Ouh, on sait pas quoi, mais c'est pas grave. C'est bon ? Donc on a fini les actions, on fait le progrès. Moi, j'ai plus un radis.
Donc ça, au moins, c'est clair. Moi, j'ai... Mais c'est pas très intéressant, parce que si je fais pas de progrès, je gagne 4 points de victoire, donc je vais faire ça. Et Persepolis n'a pas été conquise, donc nous n'avons pas... Tu ne les as pas donnés. Comment ça, je te les ai pas donnés. Je t'ai dit, du coup, je gagne 4 points, et je comptais sur toi pour le faire, parce que je suis loin. Et tu m'as dit, donc, Persepolis, ah bon, d'accord. Il me semblait que c'était bon. Mais, bref... Persepolis n'a pas été conquise, nous n'avons pas d'action gratuite, et maintenant on compte les points. Pour les comptages de points, c'est les points qu'on a sur les cartes. Donc moi par exemple là, j'ai un point pour chaque jeton que je possède. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Moi mes cartes m'ont fait des points pendant la partie, mais pas du tout. Donc là moi je suis à mon max. Il me semble que il y a... En fait il y a les cartes. Est-ce qu'on aurait dû avoir la règle ? Pour moi, il y a les cartes et ça. C'est-à-dire que moi, je vais marquer 5 fois le nombre de jetons. Donc, 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 5, 30. 30, hein, ouais. 30. Et donc là, je fais effectivement... pardon, ça fait 38 plus 30. Ça fait 68... Je fais à peu près le même score qu'hier. Hein, Donc, les points accumulés dans la partie, plus les points des effets des développements débloqués, mm-hmm. potentiels, parce que là, on n'a pas été jusqu'au bout. J'ai pas été jusqu'au bout. Pas fait. Les points des cartes politiques, le nombre de points égal au produit de la valeur ça fois militaire. Voilà. Le joueur ayant le plus l'emporte, voilà. Voilà. Et ben, oui. Et alors hier moi, j'ai fait pareil, exactement ce score-là. J'ai fait 68 points et Marjo a fait ça. Et hier, un peu de choses frais, ouais. J'ai joué totalement l'inverse. J'étais que sur le financier. Franchement, il est bien. Non, il est canon. Par contre, clairement, on a établi que j'étais pas bonne. Mais j'aimerais le refaire avec un draft. Parce qu'on a fait deux parties et on n'a jamais fait de draft. Oui, non, mais alors on a fait. Aujourd'hui, on l'a pas fait parce qu'on savait qu'il fallait le faire, mais on n'avait pas envie de perdre le temps du draft au début du live parce qu'on voulait que ça aille plus vite, ce qui est injuste, totalement injuste. On voulait surtout vous montrer les mécaniques, retester le jeu en changeant un peu de technique. On va ranger le jeu, on va ouvrir la porte à Kyo. Mmh. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là pour cette phase de test. Dites-nous si ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire parce que du coup, on va essayer de faire beaucoup plus souvent, beaucoup plus régulièrement. Maintenant qu'on a une caméra un peu mieux, des lives comme ça, en direct, ça vaut quand même plus le coup. Kyo, vas-y, sonne, comme ça on t'entend dans le live, ça va faire... c'est rigolo. Oui, à plus, ça semble plus équitable. C'était trop bien de vous voir jouer en direct. Merci les filles. Enfin, merci les filles. Merci la fille et merci les slips et les caleçons du chat, comme dirait tête de slip. Sur ce, je vais mettre l'écran de fin avec sa petite musique et vous dire à tout bientôt. À première vue, prochain live demain avec Mélo. On va faire du Divinity Original Sin à 16h, donc du jeu vidéo. J'étais hyper contente de faire Cora et de vous le montrer. Et franchement, si vous aimez les jeux de cible, il est vraiment très bien. On passe un très bon moment et le matos, c'est vraiment très beau. Donc, en fait, ce qu'il a de cool, c'est que même s'il a des imperfections, comme en fait 99% des jeux ont des imperfections, il est très impliquant. On est vraiment à fond dedans. On a des choix qui sont vraiment importants et on est à fond du début à la fin de partie. Le jeu n'est pas trop long, ça j'apprécie aussi. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin, on se dit « Ouais, c'est pile la bonne durée de jeu, 9 phases, c'est bien. » Plus ça aurait été trop pour se développer on se serait surdéveloppé et moins ça aurait été un peu court. Donc voilà, moi je le recommande et je lui mets, j'hésite entre 7,5 et 8 parce que le seul... Ouais non, je lui mets 8. Je lui mets 8, le seul truc que je dois voir c'est la rejouabilité, est-ce que je vais avoir envie d'y rejouer très souvent, mais c'est vraiment un très très bon jeu et si vous aimez... Et alors moi personnellement, la critique qui lui est faite du look, je suis pas du tout d'accord, c'est-à-dire que moi graphiquement c'est totalement ma cam. J'aurais aimé que vous le voyiez pas sur un plateau de bois. Demain, prochain achat, c'est un tapis de couleur. Mais vraiment, moi, j'adore graphiquement. C'est ma cam. Il est agréable à jouer. Il roule tout seul. Il est très facile à expliquer. Et surtout, ce qu'il a de cool, c'est que bah, vous voyez, entre hier et aujourd'hui, on a fait une partie hier, on a refait une partie aujourd'hui.
ben, c'est pas tout le temps qu'on n'est pas du tout obligé de sortir les règles de la boîte pour pouvoir refaire une partie. Et là, c'était vraiment le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun point de règle qui est obscur. Tout est très, très net. Et ça, sur un jeu qui est quand même plutôt expert, moins, hein, on n'est pas dans de l'expert lourd, mais on est quand même sur un vrai jeu, c'est agréable de se dire, ah ben, vous savez quoi, on va se faire une partie de Cora, je sais que je peux l'expliquer en 5 minutes, 10 minutes, sans avoir besoin de me replonger dans les règles. Et ça, c'est super plaisant. J'adore les jeux où tout le tour de jeu est réexpliqué sur le plateau, où les symboles sont super clairs. Il y a juste, j'avoue, petit moins, j'aurais aimé là un petit cadre qui me rappelle le scoring. Mais à part ça, il est vraiment excellent et j'espère que ça vous a plu comme live. Et oui, j'ai pris 5 minutes de plus pour faire un rappel, un petit débrief, parce que c'est important les petits débriefs. Allez, je change d'écran. Je vous fais des bisous. À demain et à dimanche pour le Pénélope Show, pour ceux qui seront là. Est-ce que vous entendez Marjorie au téléphone derrière ? C'est bien plus mieux que du TTS. Bah merci, après TTS va continuer, c'est sûr. Ça permet de jouer à des jeux qui sont vraiment pas faciles à trouver ou qui sont pas encore sortis. Et puis avec, ça me permet de jouer avec Kyo, ça me permet de jouer avec Eglantine qui n'est pas à Paris, avec Parik, avec plein de gens. Donc ça va rester TTS, ça c'est sûr. Mais il y aura plus de jeux sur table, c'est évident. Je vous fais des gros bisous. J'étais contente. Je me suis bien amusée. C'est important de bien s'amuser dans la vie. Putain, le raid, Pénélope, un raid. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce qu'il y a quelqu'un à raider? Est-ce que vous voyez quelqu'un à raider? Oh putain, j'ai pas d'écran. Bon bah tant pis. Je sais pas qui stream à cette heure-là. J'ai plus de batterie dans mon téléphone. Allez, dites-moi quelqu'un à raid. Oh, janvier stream, super, trop bien, j'adore janvier. On jouait avec lui hier, c'était trop cool. Allez, non, je raid pas les loutres, on va raid janvier TV, je crois que c'est bon, je l'ai bien écrit. Avec ceux qui sont restés, vous êtes 8, oh là, vous êtes 9, vous êtes 11, oh, vous êtes trop mignons, vous êtes trop restés, ça me fait trop plaisir, il va être trop content. Allez hop, raid. Ça c'est Kyo.